t'avais dit qu'on trouverait quelqu'un. Je te l'avais dit. Salutations, mon camarade. Dis donc, il a l'air de tenir une forme d'enfer, ton camarade. Et si, il va très bien. Hein, que tu vas très bien? Hein? Oh, pardon, oh là là, je retire ce que j'ai dit. Il a une fraîcheur de teint et une vitalité que les autres qu'on a croisés n'avaient pas. Ça va aller, on va arranger ça. Aujourd'hui, 16 octobre 2047, Harvey passe le cap du cannibalisme. Non, tu pleures? Non, c'est pas des larmes. C'est de la bave! On peut savoir ce que tu fais, là? Je creuse une tombe, ça se voit pas? Oh, au point où il en est. Cachons la poussière sous le tapis et n'en parlons plus. C'est pas pour lui! C'est pour moi! Ça fait des semaines qu'on trace. On a parcouru plus de 10 mètres. Et tous ceux qu'on a trouvés se refroidissent. C'est foutu. Allons, ne dis pas ça. Tant qu'il y a de la vie, il y a de la vie, hein? Bon. Ils ont tout fait sauter, ces salauds. Ça sert à rien de continuer. Je préfère crever plutôt que d'errer dans ce bac à sable avec un parasite comme toi. Parasite, hein? Attends, je vais t'aider. Dire qu'il suffirait d'une femelle pour repeupler la Terre. Oui, enfin, les notions de mâle ou de femelle n'ont pas beaucoup de sens pour nous autres. Hein. T'as raison. Plus rien n'a de sens maintenant. Non, enfin, je veux dire, puisque les escargots sont hermaphrodites, ils peuvent remplir les deux fonctions reproductrices. Hein? Attends, tu veux dire que toi et moi, on va devoir... On n'est pas obligé de le prendre comme un devoir. On peut aussi... Bon, bah écoute, je te laisse creuser l'idée. Hein? Bisous. Ouais. Vas-y, approche ta petite souris. Clique-moi dessus. Clique-moi dessus.